retrouver l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95. Bonsoir Léa, c'est Léa, c'est son tour. On va prendre Léa maintenant. Léa, bonsoir, comment vas-tu? Oui, bonsoir. Alors David, j'ai deux questions à te poser concernant le Coran. La première, ce sera la plus rapide. Concernant l'interdiction de manger de la viande de porc, justement. Voilà ce que j'ai appris. Parce que j'ai eu, par un professeur de médecine, le professeur Somia, qui nous a donné des cours. Hein, peut-être que tu l'as connu d'ailleurs. Le professeur Somia était tunisien, mais il était chef de service à l'hôpital Avicenne. C'était, c'était il y a longtemps. C'était fin des années 60, début des années 70. Hein. Alors voilà ce qu'il nous a dit concernant la viande de porc. C'est que à un moment donné, ça a été ajouté dans le Coran pour des raisons sanitaires. Il s'agissait de lutter contre une épidémie, enfin c'est pas le mot exact, contre une infestation importante de la population par le ténia, qui était donc transmis à l'homme par la viande de porc. Qu'en sais-tu? Tu as d'autres questions aussi ou non? Comment? Si, j'ai une autre question, mais c'est un... Alors, tu vas rester pour l'écouter? Ok. Puisque tu vas rester écouter, déjà, je suis désolé, je connais bien l'hôpital Avicenne, puisque c'est mon arrière-grand-père Avicenne. Mais le professeur, je ne le connais pas. Mais c'était un mentor, mais comme la plupart des savants musulmans qui se considèrent savants, mais ils sont des menteurs. Puisque la religion, c'est les religions, la totalité des religions, je suis Léa, et tu étais à l'écoute à l'époque. Je suis tellement ravi de constater qu'encore une chose que David Abbassi l'a dit au mois de janvier 2020, dès le commencement de Covid, j'ai dit, ça, c'est la nouvelle religion pour contrôler les gens. C'est le cas. Covid, toutes les religions également, c'était la même chose. Toutes les religions, c'était créé par les individus, par les hommes, pour contrôler les gens, pour contrôler les masses. C'est pour ça, en haut, ils sont des savants. Ils sont tout à fait de quoi s'agit-il et tout ça. Oh, alors que qui tu parles de Coran, le porc, l'interdiction et tout ça. Oh. Je vais vous dire une chose. Je respecte beaucoup les musulmans de n'importe quel pays, de n'importe quelle branche musulmane. Tous les musulmans, ils sont des êtres humains. Je les respecte et je m'engage à défendre leurs intérêts également depuis 50 ans. Vous me connaissez. Mais les religions, la totalité des religions, c'était fait pour... Quand on disait l'homme, il est sauvage, il faut le contrôler. Peut-être ils avaient raison ou non, une partie de nos époques anciennes, mais après ça tombait dans le piège, voilà. Surtout qu'ils ont fabriqué des Corans, des livres, tout ça. Une chose qui est ici, puisque je vois Léa que tu es parti, parce que j'ai en face de moi, votre arrivée, votre retour, tu as dit que tu avais d'autres questions, mais tu peux revenir. Mais puisque nous avons eu un autre ami qui a parlé sur certaines choses, ici et maintenant, encore une fois, si vous êtes gentil, si vous êtes de bons musulmans, qui m'ont écouté, que vous n'êtes pas raciste, que vous n'êtes pas intégriste, que vous n'êtes pas sectariste, à ce que je veux vous dire, vous faites bien attention. Déjà, d'autres religions comme judaïsme et christianisme, moi je connais toutes les religions, c'était mon métier, j'ai étudié, je connais toutes les philosophies. Je n'ai pas allé à l'université seulement étudier une branche de l'histoire de telle période. Depuis mon enfance, les familles abbassides,
C'était la bibliothèque qu'on apprenait. La bibliothèque, ce n'est pas deux ou trois ou quatre livres. Pour ça, je connais tout. J'ai voyagé partout. J'ai rencontré des musulmans, des bouddhistes, chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants et tout ça. Vous savez, ce que les musulmans ils disent, aucune autre religion ne dit pas. C'est quoi à l'islam, ya'lou, voilà, yu'ola alay. L'islam va monter dans le monde et va conquérir le monde entier et aucun d'autre ne peut pas faire ça. Et d'autres choses, c'est quoi ce qu'il dit? Il dit le meilleur religion dans le monde, c'est l'islam. Ça non plus, ni le judaïsme, il ne dit pas ça, ni le christianisme ne dit pas ça. Ne dit pas ça. En plus, autre chose que vous ne savez pas, judaïsme et avec comme la religion, c'est pas la même chose avec être juif. C'est deux choses tout à fait différentes. J'avais déjà donné des explications à ce sujet. Être croyant juif, c'est-à-dire croire en le judaïsme comme la religion, c'est une chose, mais être juif, c'est autre chose. Alors, prenez ça, je vous dis tout de suite. Pour la plupart des juifs ne sont pas religieux. Ils ne respectent pas la religion. Pour la plupart. Qu'il soit George Soros en première, le grand philosophe de notre époque, et qu'il soit actuellement, même l'année dernière, avant que Benjamin Netanyahu perde les élections, même lui, il est venu, avant il était tellement juif, croyant, mais il a défendu les laïcs, pourquoi? Parce qu'il voulait garder son siège. C'est-à-dire, il est comme Abdel et comme tous les autres, beaucoup de gens que je vous connais, peut-être pendant certains temps vous étiez musulman 100% patati patata, après vous avez vu que c'est pas ça, voilà. C'est pour ça que beaucoup de juifs sont juifs d'origine, juifs comme ethnie, mais ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas en judaïsme. Pour ça, ils ne vont pas conquérir par le judaïsme le monde. Non, mais ils ne font pas des propagandes. Par contre, si tu veux devenir juif, oh là 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 là, c'est tellement difficile. Ce n'est pas comme les musulmans, tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad, la surah tu es musulman, va salam, khalas. » Non, ce n'est pas ça. Christianisme aussi, la même chose. Pour le christianisme aussi, si tu veux devenir chrétien, tu vas aller voir un prêtre, après il faut étudier des choses, ce n'est pas seulement un mot de dire, voilà, après. Pour ça, il ne faut pas dire n'importe quoi, vous dites des choses qui n'est pas vraies, et les gens, il faut pas prendre un bâton et frapper toutes les religions avec le même bâton, puisque tous ne sont pas la même. Certaines choses qui existent dans l'islam n'existent pas dans d'autres religions. Par exemple, une chose qui est très importante, je vous ai dit 2500 fois, et je vais vous préciser actuellement, c'est vrai que les musulmans ne sont pas racistes, les musulmans ne sont pas anti-juifs, mais il y a des gens qui sont un peu de tendance de gauche, c'est des tendances politiques qui leur amènent d'être anti-juifs, mais avec l'identité de musulmans. Pour ces gens-là, je vais vous donner un verset de Coran. C'est le Coran qui dit, Surah Baqarah, c'est-à-dire deuxième sourate, et c'est le verset 47. Là, il dit quelque chose qui est très important. 2000 fois j'avais dit sur cette antenne, je vais encore vous dire pour que vous sachiez qu'un musulman, d'abord, ne doit pas se considérer que son religion c'est la meilleure, puisque son Dieu il a dit d'autres choses, Allah. Allah, il a dit d'autres choses. Et c'est vrai que même personne, même personnage, enfin même phénomène, phénomène, voilà. Dans le Coran, il a dit que l'islam c'est le meilleur, patati. Mais il a dit ça aussi. Et ça annule toutes les autres choses qu'il dit en faveur de l'islam comme quoi meilleure religion du monde. Je vous lis en arabe et après je vous traduis pour que vous ne dites pas, il a inventé par lui-même David. Il dit Ya bani Israël. Il dit, oh, les Israéliens, les enfants d'Israël, Ya Bani Israël, Othkuru Ne'mati, souvenez-vous de bonheur, Allati An'amtu Alaikum, souvenez-vous de bonheur que je vous ai donné, le plus grand cadeau que je vous ai offert. C'est quoi?
وإني فضلتكم على العالمين. Apprenez ça en arabe, mes amis, mes amis, et dites à tous les musulmans. فضلتكم على العالمين. Je vous ai préféré parmi le monde entier. Vous êtes le meilleur parmi le monde entier. على العالمين. Préféré. فضلكم. فضلتكم. Ça veut dire, je vous ai préféré parmi tous les peuples du monde. C'est ça, c'est le verset du Coran. Alors maintenant, vous venez de dire que l'islam, c'est la meilleure religion, tout ça, tout ça, le Dieu. En plus, le Dieu, vous savez pas c'est quoi. Personne n'a pas su c'est quoi le Dieu. Le Dieu n'est pas là pour, comme un roi, comme un policier, même un policier de quartier. Pas un président, pas un roi. Il peut pas bien gérer la fête de cambriolage, de voleurs, des accidents. Il peut pas tout gérer. Alors le Dieu, ce que vous pensez n'existe pas. Que si Ryan il est mort, c'est le Dieu qui l'a en cause. Si tu n'as pas gagné le loto, c'est le Dieu. Si on va tout t'a écrasé, ce qu'il a dit notre ami, c'est il avait raison 100%. Mais il répète, il faut pas répéter, Abdel. Eh, tu dis une fois la phrase, il faut pas le répéter deux fois. Le Dieu, c'est pas, nous, par rapport à ce qui existe dans le cosmos, les autres planètes, les autres patates, nous sommes même pas une petite poussière, mes chers amis, même pas une petite poussière. Voilà. Et je vois c'est qui, on va le prendre tout de suite en direct. Allô, bonsoir, c'est qui? Alors David, c'est Léa, parce que je n'ai pas pu entendre ta réponse. Je ne t'entendais pas au téléphone, donc j'ai écouté à la radio, mais je n'ai entendu qu'à la fin et je n'ai pas compris ce que tu m'as répondu du coup. Ok, tu vas écouter rediffusion de l'émission. Alors, d'autres questions tu avais, Léa? On vous écoute. Mais donc, parce que... Enfin, ce que j'ai compris de la part du professeur en question, qui était laïque, hein. Alors, ton professeur, si tu m'entends bien, je t'ai dit, il a dit n'importe quoi, il laisse tomber. D'autres questions si tu l'avais, d'autres choses si tu veux le dire. Il faut pas répéter ce que tu viens de dire. Allez, on vous écoute là, d'autres choses. Non, mais ce qu'il a voulu dire, que c'était un exemple qui prouvait que ce sont les hommes qui, de façon opportuniste, écrivait dans le Coran ce qui les arrangeait. C'est ça qu'il voulait dire. C'est comme ça que j'ai compris ce qu'il nous a dit. Alors, tu m'écoutes maintenant? C'était un menteur. Point final. D'autres questions, chère Léa? Donc, mais moi, je veux apprendre. Selon toi, d'où vient cette interdiction de la viande de porc, alors. C'est quoi l'origine de cette histoire? Ça, pendant 10 minutes, j'ai parlé, Léa, tu dois tout écouter, je ne peux pas répéter tout, voilà. D'autres choses, s'il te plaît. Et n'insiste plus, hein. Si tu as d'autres choses, tu m'as dit. Oh, bah, c'est dommage, je voulais te poser cette question depuis très longtemps, c'était vraiment la personne. Bon, bah, écoute, si on ne se comprend pas, je m'en vais, moi. Merci Léa, ça c'était Léa. Alors c'est pas, j'en sais pas, c'est pas une boulangerie, chère Léa, que tu ne laisses pas dans le fil pour prendre ton baguette ou le pain et après tu reviens. Que moi je répète ce que je viens de te dire en plus. Voilà. On voit ce qu'on a dit depuis 40 ans, depuis 50 ans, on est en train de dire, te dire que ça n'existe pas dans le Coran. Il y a énormément de choses qui existent dans le Coran, qui n'est pas... écoutez, notez bien, hein, notez bien, qui n'est pas humain, qui n'est pas normal. Le Coran, c'était les paroles de Mahomet et ses conseillers. Alors, si tu penses que c'était parole de Dieu, quelqu'un d'autre, il a rajouté des choses, tu sais, il faut changer de logiciel dès le départ, surtout avec le Covid, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, chère Léa. Alors, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, on est là pour vous écouter.